Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler application. On va parler application gratuite sur notre iPhone. Et cette application va vraiment prendre soin de vous. L'application du nom de Yuka. Donc Yuka. C'est une application qui fait partie des top 10 des applications gratuites sur l'App Store. Et c'est vraiment génial comme application. Et en plus, la cerise sur le gâteau, elle est accessible. Alors merci de regarder cette vidéo, j'espère donc qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne et à tout de suite pour la suite. Vous allez sur l'App Store, vous téléchargez cette application ou vous demandez tout simplement à votre Siri d'aller chercher pour vous. Télécharger Yuka. D'accord, je recherche Yuka dans l'App Store. App Store. Yuka est une application d'analyse de produits. Il va donc vous dire si les produits que vous avez face à vous, s'ils sont bons, la quantité de sucre, en fait, si vous avez des problèmes de santé, Yuka va vous aider à choisir des produits sains. On va écouter la description de cette application. Top 10 des applications gratuites en 2018. Yuka scanne les produits alimentaires et cosmétiques pour décrypter leur composition et évaluer leur impact sur la santé. Face à des étiquettes indéchiffrables, Yuka apporte plus de transparence en un simple scan et permet de consommer de façon plus éclairée. Yuka indique via un code couleur très simple l'impact du produit sur votre santé, excellent, bon, médiocre ou mauvais. Vous accédez pour chaque produit à une fiche détaillée pour comprendre son évaluation. 500 000 produits alimentaires. Chaque produit est évalué selon trois critères objectifs: qualité nutritionnelle, présence d'additifs et dimension biologique du produit. 200 000 produits cosmétiques. La méthode de notation repose sur l'analyse de l'ensemble des ingrédients du produit. Chaque ingrédient se voit attribuer un niveau de risque, basé sur l'état de la science à ce jour. Recommandation de meilleurs produits pour tous les produits ayant une évaluation négative. Yuka recommande des alternatives de produits similaires meilleurs pour la santé en toute indépendance. 100% indépendant. Yuka est une application 100% indépendante. Cela signifie que les évaluations et les recommandations de produits sont faites de façon totalement objective. Aucune marque ni aucun fabricant ne peut les influencer d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, l'application ne fait aucune publicité. Retrouvez plus d'informations sur notre financement sur notre site web. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, Yuka est vraiment une application qui n'est pas du tout influencée et vraiment, elle est top, vous allez voir. Au niveau de la reconnaissance des codes barres, c'est vraiment super simple. Yuka est vraiment une application qui détecte et qui instantanément flash le code barre dès qu'il le voit. Il n'y aura donc qu'à tourner l'objet autour de l'appareil photo. On va tout de suite donc ouvrir l'application et voir ce que Yuka nous propose dès l'ouverture. Comme vous avez compris, donc Yuka est une application qui va prendre soin de votre santé, qui va faire attention à vous et qui va vous dire tous les produits que vous avez face à vous, ce qu'ils contiennent, si c'est bon ou pas bon. On va tout de suite l'ouvrir. Yuka. Yuka est une appli 100% indépendante qui vous aide à choisir les bons produits. Suivant. Bouton. Comme vous pouvez entendre aussi, l'application est ultra accessible à VoiceOver. Voilà pourquoi je vous la présente, car elle peut être vraiment utile. Pour tous mes abonnés, prenez soin de vous, c'est important. Yuka scanne vos produits et évalue leur impact sur la santé en leur donnant une note sur 100. Suivant. Yuka vous recommande de meilleures alternatives. C'est parti. Bouton. Inscription. En tête. Se connecter via Facebook. Bouton. Se connecter par email. Dès la première ouverture de Yuka, vous créez soit votre compte à partir de Facebook, soit vous créez votre propre compte de Yuka. C'est parti, on va créer un compte. Et on va tout de suite faire la détection de produits. Une fois que vous avez créé votre compte, on peut ouvrir Yuka. Yuka. Toucher de. Yuka. Aide. Bouton. Elle se présente comme ceci pour les personnes malvoyantes et voyantes qui sont sur cette vidéo. Et on va donc pitcher vers la droite. Qualité des produits. Excellent. 8. Bon. 1. Médiocre. 3. Mauvais. 2. Un produit inconnu. Sélectionné. Synthèse. Onglet. Favori. Onglet. Scan. Onglet. 3 sur 5. On a donc le troisième onglet qui est l'onglet Scan. On va tout de suite le lancer.
Alors on a pris quelques produits avec des codes barres. Alors c'est très simple, hein. Au niveau du Yuka, il est ultra rapide à détecter les codes barres. Alors c'est vrai que c'est compliqué lorsqu'on ne voit pas du tout. On peut quand même y arriver. Je vous encourage à le tester cette application. Ça peut vraiment amener beaucoup pour votre santé. Alors on va tout de suite tester de scanner un premier produit. Je vais essayer de passer devant mon téléphone et si vous entendez un bip, c'est gagné. Et déjà, il a flashé le code. On va tout de suite voir si ce produit est bon. Alors pour cela, vous avez juste à pitcher vers la droite. Allumette de bacon fumée. Gradilège. Mauvais. Déjà, on sait que on est sur un produit mauvais. Voir le produit. Bouton. Et on peut voir le produit. Voir fermé. Pour cela, je clique deux fois avec un doigt. J'ai le bouton fermé et je fais glisser deux doigts du haut vers le bas pour lire l'intégralité de ma page. Allumette de bacon fumée. Gradilège. 8 barres oblique 100. Bouton. Mauvais. Défaut du produit. Valeur pourcentage. Additif. Présence d'additif à éviter. 3. Sel. Trop salé. 2,5G. Qualité du produit. En tête. Valeur pourcentage. En tête. Protéines. Excellente quantité de protéines. 20,4G. Calories. Peu calorique. 130 kcal. Graisse saturée. Peu de graisse saturée. 1,8G. Sucre. Peu de sucre. 1,1G. Alternative. Yuka n'a pas trouvé de meilleure alternative pour ce produit. Voilà, comme vous avez entendu, c'est vraiment super accessible dans un premier temps et c'est super efficace puisque on a vraiment le détail complet sur le produit en question. Pour revenir complètement sur la page précédente, on revient Fermé. Bouton. sur le bouton fermé qui est complètement en haut à gauche. Voilà donc pour cette petite application, une présentation de Yuka. Elle fait quand même partie des top 10 des applications les plus téléchargées sur l'App Store. Je voulais vous la présenter. Je voulais féliciter aussi ces développeurs qui ont fait cette application gratuitement, accessible, car vraiment, si vous testez cette application, je vous mettrai le lien direct dans la description. Et moi, je vous dis donc un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!